De la nation pour renouveler leur amour et attachement au couple Meynier ainsi que leur engagement à leur côté pour la conquête de la nation dans le cadre de leur mission en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de l'édition 2023 de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de l'église de Côte d'Ivoire à la famille Meynier tenue ce samedi 21 janvier 2023 à Atiékwa, quartier général national de la dite communauté. Dans un décor de banquet, missionnaires, anciens, dirigeants et tous les responsables des départements de l'Église ont répondu massivement à ce noble rendez-vous de communion fraternelle qui résume en lui seul, de manière solennelle, les actions de grâce continuelles que les saints de l'Église de Côte d'Ivoire rendent au Seigneur pour le dirigeant dont il leur a gracieusement fait don. Le président de la Commission des États-Unis. Après l'accueil de la famille Meynier, c'était l'occasion pour le président du comité d'organisation, le pasteur Bernard Théo, de s'adresser au pasteur Boniface Meynier et sa famille au nom de toute l'assemblée réunie. Ce jour est un jour spécial, un jour de fête et nos cœurs sont dans la joie car l'engouement porté à cette cérémonie n'a pas faibli. Et la mobilisation est toujours de mise, démontrant à quel point tout ce qui est en rapport avec les valeurs et la vision que prône ce rendez-vous est devenu essentiel aux yeux de chacun et de tous. À l'instar des années précédentes, la CMCI Côte d'Ivoire, sous ton leadership éclairé, a connu cette année encore des progrès significatifs en termes d'effectifs. En effet, nos effectifs sont passés de 68 312 disciples le 31 décembre 2021 à 79 243 disciples au 31 décembre 2022. Soit un ajout de 10 931 disciples se réunissant dans 2530 assemblées de maisons. Cher papa, nous sommes fiers de travailler avec toi. Et nous sommes conscients du prix à payer pour un nouvel envol de l'Église. Je voudrais aussi, et ici, te rassurer de notre consécration renouvelée et de notre détermination à t'accompagner en 2023. De trois personnes que la CMCI comptait en ses premiers pas en Côte d'Ivoire, posées le 25 juillet 1995 avec le couple Meynier Boniface et Colette et leur fille aînée Gracielle, c'est aujourd'hui un effectif de 79 243 membres que la CMCI Côte d'Ivoire enregistre après 28 ans d'investissement actif dans les prières et jeûnes, dans les enseignements en vue de l'édification des saints, dans l'implantation des églises, la formation des disciples et tous les ministères rentrant en ligne de compte dans les soins pastoraux nécessaires à l'entretien qualitatif du troupeau du divin berger. Au compte de l'année 2022 qui vient de s'écouler, l'église de Côte d'Ivoire, sous le leadership du pasteur Boniface Meynier, a poursuivi sa marche pour gravir les échelons supplémentaires
pour l'accomplissement de sa part de responsabilité du but de la phase 3 de la CMCI, qui est au niveau national d'implanter 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples pour un effectif de 2,5 millions de disciples d'ici 2025. À cet effet, plusieurs actions pratiques ont été menées pour booster la croissance des effectifs et assurer l'édification, la santé et la stabilité des saints en 2022. Dès l'entame de l'année, juste après la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui a ouvert les programmes de l'Église, elle a tenu son annuelle croisade de 40 jours de jeûne et prière pour la nation. Une période qui a permis, à travers des prières collectives et individuelles sur une base quotidienne, d'établir la nation dans la paix divine et la stabilité, facteur déterminant pour l'avancée de l'Évangile. Et dans le courant de cette croisade pour la nation, les missionnaires nationaux ont été conviés à la 4e retraite annuelle avec le pasteur Meynier du 10 au 16 janvier 2022. En plus de cette retraite, plusieurs autres retraites spirituelles collectives avec le pasteur Meynier ont marqué l'année 2022, à savoir la retraite avec les ministres aux enfants tenue du 22 au 23 janvier, avec les sémeurs du 28 au 30 janvier. Du 12 au 13 février, c'était au tour de la RTVC de tenir sa retraite annuelle avec le pasteur Meynier, qui a aussi tenu des retraites avec le mouvement des enseignants-chercheurs de la CMCI Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs retraites avec les anciens et leurs épouses et les dirigeants. Des retraites qui ont permis au pasteur Boniface Meynier de rappeler la vision divine rattachée à tous ces départements et entités de l'Église, avec un accent particulier mis sur les facteurs déterminants à l'exécution efficace de leur part de responsabilité dans la conquête et l'accomplissement du but. À cela s'ajoutent les cours hebdomadaires de formation des dirigeants spirituels qui se tiennent chaque mardi au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, CISA Jamé Liberté. Pour le premier trimestre de l'année 2022, le pasteur Meynier a enseigné principalement sur une série comprenant 8 messages sur le brisement, s'inspirant du livre du professeur Zacharia Stanefomum, fondateur de la CMCI, intitulé « Le brisement ». Après quoi, il a tenu une série de messages sur les combats de la foi, avant de terminer l'année sur une série de messages portant sur le chemin du combat spirituel. Des cours de formation dispensés à plus de 2000 dirigeants en moyenne qui se réunissent au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, CISA Jamé Liberté. Occasion qui permettent au pasteur Meynier, orateur principal de ces cours, d'établir les dirigeants dans la connaissance de la sainte doctrine et dans le revêtement des vertus nécessaires à leur croissance spirituelle, l'édification des églises et leur efficacité dans la conquête des âmes. L'année 2022 a aussi vu un progrès dans l'entreprise missionnaire. Le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire avec l'envoi de plus de 45 missionnaires, dont 2 couples missionnaires internationaux et 41 missionnaires nationaux. Le 25 janvier 2022 a été marqué par l'envoi en Finlande du couple Unfor Edwin et Tessa. Le 8 mars, c'était au tour du couple Amisha, Jean-Marc et Eunice d'être bénis et envoyés en France. Pour ce qui concerne les missionnaires nationaux, notons que la sortie de la 11e promotion de l'École de la connaissance et du service de Dieu section Côte d'Ivoire s'est tenue le 15 mars dernier, toujours au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Abidjan. Et ce, après 40 jours de formation tenue du 1er février au 14 mars 2022. Sous la direction du pasteur Boniface Meynier, l'Église a envoyé ce jour 39 missionnaires nationaux. Et avec ces nouveaux missionnaires formés et envoyés, l'église de Côte d'Ivoire compte dans le courant de l'année un total de 431 missionnaires. Le frère Zach pouvait le dire, tout ce qui ne se fait pas dans la prière n'est pas fait du tout. Une révélation bien comprise par l'église de Côte d'Ivoire qui accorde une place prépondérante à la prière dans l'exécution de la conquête. En plus des réunions de prière hebdomadaires dans chacune des assemblées que compte l'œuvre, l'église a tenu sous la direction du pasteur Colette Meynier les 22e et 23e éditions de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire, du 9 au 13 février 2022 au siège d'Adjamé Liberté et du 1er au 7 décembre à Tiékoua. Des sessions qui ont respectivement porté sur les cours de base sur la prière et sur la centralité de la prière, avec une participation de plus de 540 étudiants par session venus de toutes les localités de la nation. On y a compté des étudiants venus de l'international, notamment du Togo. À cela s'ajoute l'école de la prière dont les cours se tiennent tous les mercredis de minuit à 4h au siège d'Adjamé, toujours sous la direction du missionnaire numéro 2 de la CMCI, la sœur Colette Meynier. Sans oublier les 375 chambres de prière qui sont à pied d'œuvre au quotidien pour couvrir la nation et la conquête dans la prière, chacune selon son fardeau spécifique.
La sœur Colette Meynier a aussi conduit l'église dans un siège de prière de 24 heures du 8 au 9 octobre 2022 et une journée d'action de grâce le 24 septembre 2022 portant essentiellement sur les actions de grâce au Seigneur pour la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022 tenue du 1er juillet au 9 août. Pour rappel, cette édition 2022 l'ont enregistré un total de 3640 âmes gagnées, plus de 900 baptêmes dans l'eau, 2013 guérisons déclarées et 9958 témoignages de délivrance, de restauration, de conversion de membres de famille, de réveil spirituel, de promotion et d'action de grâce pour les exaucements aux requêtes élevées au Seigneur ont été enregistrés. Toujours dans l'élan des croisades de jeûne et prière, notons que l'Église de Côte d'Ivoire a pris activement part à la croisade du ministère tenue du 17 octobre au 25 novembre 2022. Comme bilan au niveau de l'Église de Côte d'Ivoire, on dénombre 1302 jeûnes complets de 40 jours et 5584 jeûnes allant de 3 à 39 jours enregistrés à la date du 28 novembre 2022. On ne peut parler de prière sans mentionner la grande nuit de prière hebdomadaire de l'église d'Abidjan qui se tient chaque vendredi sous la direction du pasteur Boniface Meynier. Désormais, un rendez-vous fixé pour l'église d'Abidjan chaque vendredi de 22h à 4h, une nuit de prière se tient avec le pasteur Boniface Meynier pour principalement intercéder pour la conquête. Notons que cette nuit d'édification, de rappel et de préservation de la vision et surtout d'intercession et de combat spirituel sont aussi marquées par des guérisons et délivrances miraculeuses et une moisson abondante des âmes. L'un des programmes qui symbolise les actions pratiques de conquête entreprises par le pasteur Boniface Meynier pour l'accroissement des effectifs de la nation durant l'année 2022, ce sont les week-ends de salut et de guérison. Parcourant les localités d'Abidjan et de l'intérieur du pays, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a proclamé l'évangile en vue du salut des âmes et conduit les églises dans des prières de guérison et de délivrance. On dénombre pour l'année 2022 9 localités parcourues dans le cadre de ces campagnes d'évangélisation jumelées à des ministères d'édification des églises, dont 5 zones à Abidjan et 4 régions à l'intérieur du pays. Pour ce qui concerne l'église d'Abidjan, le pasteur Meynier a visité les zones spirituelles d'Adjamé, de Yopougon, de Benjerville, de Makori-Trècheville et de Koumassi dans le cadre d'un week-end de salut et de guérison. Et comme fruit de ces 5 week-ends de salut et de guérison de l'année, on enregistre 313 âmes conduites au Seigneur à Adjamé, 475 âmes engagées à Yopougon, 177 âmes conduites au Seigneur à Benjerville, 122 âmes conduites au Seigneur à Makori-Trècheville et 282 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ à Koumassi, pour un total de 1369 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ au cours de ces week-ends de salut et de guérison, qui ont aussi enregistré 202 témoignages de guérison et de délivrance miraculeuse instantanée. Le pasteur Boniface Meynier a aussi effectué une tournée nationale qu'il a conduit dans la localité de Divo, dans la région du Lodibois, du 9 au 10 avril 2022. Convention régionale portant sur le thème « Jésus t'aime, il veut te sauver, te guérir, te délivrer ». Cette convention aux alus de campagne de salut, de guérison et de délivrance a enregistré 270 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ et 44 guérisons et délivrances dénombrées. Du 5 au 17 avril 2022, c'était au tour de la région du Sud Comoé de recevoir le pasteur Boniface Meynier à Boisseau, chef-lieu de la dite région. Elle y a tenu sa convention régionale 2022 sur le thème « Posséder l'héritage par la foi en Jésus-Christ ». On y a enregistré 355 âmes gagnées et ont été enregistrées 123 personnes ayant expérimenté séances tenantes de guérison et délivrance. Du 6 au 8 mai 2022, c'était au tour de la région du Cavali, à son chef-lieu qui est Guiglo, de tenir sa convention régionale sur le thème « Si Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre ». En réponse au ministère du pasteur Boniface Meynier, orateur du programme, on y a enregistré 211 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ et 142 témoignages de guérison, de délivrance diverses expérimentées, séances tenantes. Après Guiglo, dans la région du Cavali, c'est la région du Ifou qui a accueilli le pasteur Meynier dans le cadre de sa 4e convention régionale d'Aoukro 2022. Convention tenue du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2022.
avec comme bilan une moisson de 382 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ, 88 délivrances et guérisons miraculeuses enregistrées en réponse au ministère du pasteur Boniface Meynier qui a développé le thème « La vraie conversion et la restauration divine ». La tournée du pasteur Boniface Meynier étant à Abidjan et à l'intérieur du pays a enregistré au total 2587 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ et 599 personnes ayant expérimenté des guérisons et délivrances instantanées. Cet inventaire panoramique de ces actions de conquête et d'édification menées par l'Église sous la coordination du couple pastoral Boniface et Colette Meynier au cours de l'année 2022 a fait connaître à l'Église de Côte d'Ivoire un ajout de 10 931 disciples sur les effectifs, 376 nouvelles assemblées implantées, 135 nouvelles localités atteintes et 1504 nouveaux dirigeants ordonnés. Point total, rappelons-le, de 79 243 disciples se réunissant dans 2530 assemblées dirigées par 10 120 dirigeants dans 1703 localités. Cette cérémonie de présentation des vœux tenue le 21 janvier dernier était donc le lieu pour les missionnaires, les anciens, les dirigeants et tous les frères et sœurs d'exprimer encore une fois le renouvellement et le renfort de leur main d'association et de leur engagement à soutenir davantage le couple Meynier dans la conquête de la nation en vue de l'accomplissement des objectifs pour cette année 2023 en particulier et pour les années restantes en général. Une année 2023 qui s'annonce meilleure et fructueuse. Même pour cela, un secret fondamental est donné par le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 1 à 16. Passage qui a constitué le socle des propos du pasteur Boniface Meynier adressé à l'Église à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux. Jésus nous montre ici la voie de la réussite. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et pas n'importe quel amour, mais l'amour que le Père a pour nous. L'amour qui sacrifie le meilleur pour l'autre. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ne vous inquiétez de rien. La conquête est devant nous. Jésus nous a déjà garanti le succès. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Ça veut dire que quoi? Que la réussite est garantie. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Pas de provocation, pas de ruse, pas d'orgueil. Voilà le chemin de la réussite. Mais le don de soi-même aux autres. La recherche absolue des intérêts des autres. La poursuite du bonheur des autres. Si nous nous engageons dans cette école, nous aurons beaucoup de fruits. Donc nous aurons beaucoup d'âmes gagnées parce que les âmes auront vu les marques de Christ sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Au moment où vous venez renouveler votre consécration, ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous et vous, nous devons entrer dans l'école de l'amour de Jésus-Christ. Vous allez voir, le monde est rempli de méchanceté, de violence. Le matérialisme a détruit les pensées des hommes. Le peuple qui va réussir à faire briller la personne de Christ dans cette nation, c'est cette personne-là qui sera une bénédiction devant Dieu. Ça sera aussi la même chose pour tous ceux qui le feront pour le monde entier. C'est pour cette raison qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il y a des nouvelles personnes parmi nous. Vous êtes les bienvenus. Entrez, n'observez pas, ne dites pas, je vais regarder. Avec nous, on n'observe pas. On entre dans la bataille.
Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui vous avons choisi, c'est Jésus qui vous a choisi. Et il vous ajoute à notre nombre. Vous devez seulement obéir. La Bible dit d'obéir sans hésiter et sans murmurer. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire en ce jour de joie, de bonheur, de fête. Alléluia. Et chaque membre de la famille aura le temps ou quelques mots pour vous saluer. Sinon, scellez cette parole dans les cœurs. Amen. À la suite du pasteur Boniface Meynier, tous les membres de la famille réunis ont eu l'occasion de traduire leur gratitude à toute l'Église et leur adresser leur bénédiction pour cette année 2023. Nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu et à chacun de vous. Le Seigneur a été très, très bon. Vous le savez. Je le sais. Je me tiens ici ce soir pour dire que le Seigneur nous a lancé un défi. Et nous sommes capables de relever le défi. Alléluia! Quel est ce défi? Nous étions ici en décembre. Nous avons fait une semaine ici sur ce site. Le Seigneur s'est montré à nous. Il est en train de frayer le chemin qui mène à la révision de la formation des disciples, comme notre dirigeant nous a annoncé en décembre et en début d'année. Le Seigneur nous a amenés dans sa parole. Une parole qu'on avait commencé à réciter sans révélation. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. 27 ans dans une grande église en pleine croissance. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire si le sermon sur la montagne est mis de côté. Et le Seigneur est merveilleux en attirant mon attention, l'attention des intercesseurs, l'attention de l'Église, à faire attention à la manière dont nous sommes en train de faire les disciples là. Le tout ne sera pas le nombre de jeûnes de 40 jours qu'on a fait. Sinon, on est loin. On frappe les records mondiaux. Mais le Seigneur nous attend à ce tournant. J'ai dit qu'il nous a lancé un défi. Nous sommes capables. Alléluia! Tu es capable, non? Amen. De vivre à la montagne, non? Amen. Le Seigneur Jésus a redéfini, c'est ça. Je ne suis pas venu annuler la loi. Je suis venu là, accomplir. Mais qui me rend capable? C'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme à l'accoutumée, cette rencontre de communion fraternelle et d'accentuation de la soudure des cœurs fut un moment de réjouissance, marqué par la louange, des ballets et plusieurs contributions joyeuses qui ont agrémenté les heureux allus de cette fête annuelle. Père, que la grâce soit sur ton peuple. Que chacun en reçoive au centuple, comme tu l'as promis. Élève ce qui élève. Bénis ce qui bénisse. Soutiens ce qui soutienne. Donne à ce qui donne. Ô Père, que ta main de protection soit sur chacun. Que la joie qui abonde les cœurs à notre sujet abonde le cœur des autres à leur sujet. Que toute personne qui veut vous faire du bien soit bénie. Que vos noms soient bénis. Que vos apparences soient bénies. Que ton nom n'offense personne. Mais que chacun trouve le plaisir à prononcer ton nom. Comme que la promesse que Dieu a faite à Abraham en lui disant,
je rendrai ton nom grand, s'accomplit sur toi. Parce que tu es un enfant, un fils d'Abraham par la foi. Que plusieurs personnes soient bénies parce qu'ils t'ont rencontré. Car tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Que les choses deviennent grandes dans tes mains. Tu ne seras plus le genre de personne dans les mains desquelles les choses deviennent petites, 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 petites. Je te bénis avec la capacité de procurer la joie à tout ce qui te confie une tâche, une entreprise, une œuvre. Qu'elle réussisse dans tes mains. Que tes mains soient bénies comme les mains de Joseph étaient bénies. Et au-delà même, parce qu'ici, il n'y a plus que Joseph. C'est Jésus qui t'a choisi. Que ton cœur soit ferme, que tu ne trembles point. Que ton corps repousse les maladies. Que ton corps rejette les maladies. Que, que chaque maladie divorce d'avec toi, que les maladies te fuient, que te fuient, que te fuient, que te fuient. Que la bénédiction te rencontre partout où tu iras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.